Elle ferme le robinet. D'un coup, c'est le silence. Le bouillonnement cesse. Sous la nappe de mousse, l'eau s'immobilise. Seules les bulles savonneuses continuent de vivre, crépitant, craquant. Par moments, une grappe entière éclate, un trou se creuse. L'eau chaude affleure. La mousse reflue lui dit de se hâter. Elle fait glisser ses vêtements sur le sol. Passe une jambe par-dessus le rebord en faïence. Passe l'autre. Reçoit le choc de la rencontre avec le liquide brûlant. Elle attend que le bas de ses jambes s'habitue. Puis elle prend son souffle et s'assoit dans l'eau, la regarde monter autour d'elle, flirter dangereusement avec la limite du déversoir. Elle encaisse la brûlure, laisse le liquide envelopper tout son corps, mordre doucement sa peau, s'emparer d'elle tout entière, la tenir. Elle tend les jambes pour que ses genoux aussi descendent, absorbent la température délibérément trop élevée, réglée pour toucher à la perfection d'ici 5 minutes, quand le bain aura perdu 1 ou 2 degrés. Elle attend sans bouger que ses jambes se soient bien chargées de toute la chaleur possible. Puis elle ramasse les genoux contre ses seins et c'est tout son corps qui glisse vers le fond, se noie lentement, ses épaules, sa nuque, bientôt tout l'arrière de son crâne, avec ses cheveux qui paisiblement s'étoilent. Elle regarde les lauriers roses de l'autre côté de la vitre, descend encore dans l'eau, plonge tout son visage dedans, reste en apnée sous la surface. Laisse la chaleur lui masser les tempes, lui laver les yeux et tout le visage, tout le visage. Lui envahir les oreilles, les narines, la bouche. Cela dure 30 secondes. Cela dure une minute. Elle voudrait que jamais ça ne finisse. Elle se sent bien sous l'eau. Il lui semble qu'elle pourrait y rester toujours. Elle ne se savait pas ce talent pour l'apnée, ni une cage thoracique d'un tel volume. Des réserves d'air si considérables.
C'est le 20 septembre 2013 qu'il fut donné au dénommé Hellman de vivre la scène qu'il me raconta la seule fois où je le vis et dont il m'affirma d'emblée qu'elle avait changé sa vie, qu'elle allait la changer à jamais désormais. C'était du moins le serment qu'il se faisait à lui-même, qu'il venait de se faire, puisqu'elle s'était déroulée quelques jours à peine avant notre rencontre. J'ai visité il y a peu la pièce où tout s'est passé. Une petite chambre d'un service d'urgence pédiatrique, au 8e étage d'un hôpital ultra-moderne, sur les hauteurs d'une ville de province. Une pièce exiguë, au mur blanc, au sol en linoléum, à la fenêtre scellée, au lit cage à barreaux. J'ai été étonné de penser que tout avait eu lieu là. Que la résolution d'Hellman lui était venue après 2 semaines d'enfermement à cet endroit précis, entre ces 4 murs. En arrivant à l'hôpital, j'ai demandé si certains membres du service étaient déjà là il y a 7 ans. Si quelqu'un dans l'équipe se rappelait Hellman et sa compagne, dont il ne m'avait le jour de notre rencontre dit que le prénom A. Ou plutôt, puisque je savais à peu près nulles les chances que qui que ce soit se rappelle encore le nom d'Hellman ou de A, j'ai demandé si quelqu'un gardait le souvenir d'un tout mince enfant blond qui n'avait dû sa survie qu'à un miracle. L'infirmière à laquelle je posais ces questions était jeune. J'ai pensé que 7 ans plus tôt, elle devait à peine avoir fini ses études. Il y a beaucoup de mouvements dans les services, vous savez, a-t-elle dit doucement pour atténuer ma déception. Les médecins changent, les infirmiers et les infirmières basculent d'un étage à un autre, parfois d'un bâtiment à un autre. J'ai essayé de décrire Hellman. La jeune infirmière et d'autres membres du service qui l'avaient rejointe ont hoché la tête. J'ai vu qu'ils ne se rappelaient pas, que leurs acquiescements étaient de pure politesse, que ce qu'ils voulaient, c'était surtout faire bon accueil à mon histoire. Vous savez, c'est un moment très fort qu'on vit chaque fois. Avec chaque enfant, s'est excusée d'une voix calme une infirmière plus âgée que les autres. Pendant tout le temps que dure la crise, on tremble, on attend, on guette. Chaque jour, on observe les courbes. On tente de comprendre ce qu'elles annoncent. On regarde le gamin écrasé de fièvre et on prie pour qu'enfin la température tombe. Il y a des enfants qu'on sauve, a dit la femme. Et alors, dans tout le service, c'est une fête. Pendant plusieurs jours, l'étage entier vibre de l'euphorie des parents et de l'équipe. Tout le service est fier. Dans ces moments, il n'y a pas de métier qui procure le 100e de l'émotion que procure le nôtre.
Et puis, il y a des enfants qu'on perd. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Le désespoir qu'on en éprouve. La colère contre la vie entière, contre la saloperie du monde. La tristesse, la rage. L'infinie envie de tout envoyer paître. Alors pour se protéger, on coupe. On rentre chez soi et je ne sais pas comment vous dire, c'est de la survie. On ne veut plus penser à rien qui est trait à cet étage et à son odeur de biceptine et de gel hydroalcoolique. La femme qui disait tout ça parlait d'une voix calme. Elle parlait en collant des étiquettes sur une feuille de soin. Ses gestes étaient précis, posés. Je ne me souviens pas de votre Hellman ni de sa compagne. Mais je suis contente que tout se soit bien terminé pour leur enfant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé ici, à cet étage. Entre ces murs qui sont exactement tels qu'ils étaient il y a 7 ans, nous n'avons pas même refait les peintures. Dans une des chambres que vous voyez de part et d'autre de ce couloir. Dans la 817, je n'ai pu m'empêcher de dire... Et la femme a souri. À son tour, elle n'a pu se retenir de me demander qui j'étais, pourquoi c'était moi qui venais, et non Hellman ou sa compagne. À quoi je me suis contenté de répondre que j'avais perdu la trace d'Hellman depuis longtemps, à mon grand regret. Que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer A. Et que de toute façon, ni A ni Hellman n'étaient à ma connaissance du genre à revenir sur les lieux de leur passé. Au contraire de moi, qui en était presque fétichiste. Moi, qui ne pouvait tout simplement pas laisser le passé en paix, ni le mien, ni celui des autres. Et celui d'Hellman, moins encore que celui de personne. Aveu qui a eu le mérite de faire rire l'infirmière et m'a probablement fait gagner sa confiance ou au moins son indulgence. Je l'ai suivi sans plus rien dire jusqu'à la 817. Je suis entré. J'ai regardé la lumière qui s'engouffrait par la fenêtre, un grand flot de soleil tombait tout droit du ciel. La femme ne disait rien, me regardait simplement promener mes yeux dans la pièce, comme si elle aussi voulait comprendre à présent ce que je cherchais. J'ai marché jusqu'au lit, éprouvé la résistance des barreaux en les secouant un peu dans mon poing, posé la main sur le drap de coton fin où avait reposé l'enfant d'Hellman. Tous les deux, nous sommes restés un moment à attendre je ne sais quoi. Nous avons regardé la chambre vide, le coin de ciel bleu dans le petit rectangle de la fenêtre. Tenté d'imaginer le père et le fils allongés l'un près de l'autre pendant 2 semaines dans cette minuscule pièce. Vous avez raison. Ça me revient, a alors dit la femme. Je l'ai regardé qui acquiesçait à présent. Je l'ai écouté me décrire un couple avec un petit enfant très pâle. Un tout petit enfant arrivé presque inconscient déjà aux urgences. Où une interne à demi endormie avait failli le laisser mourir pour de bon, en demeurant pendant 3 heures aveugle aux symptômes, se méprenant totalement sur la gravité du cas, manquant conclure à une banale fièvre sans importance. Jusqu'au moment où une pédiatre plus expérimentée était entrée dans la pièce et avait touché la bombure à la fontanelle. La femme se rappelait le coup de fil au bloc qui avait immédiatement suivi. La tension dans tout le service, sitôt le bébé surgit de l'ascenseur, sur le lit poussé à présent par 3 aides-soignants d'un pas rapide. Les recommandations polies mais sèches du médecin de garde sur le chemin de la salle d'opération. La parfaite conscience qu'elle avait sentie chez lui, que tout était à présent entre ses mains. La vie de l'enfant dans ses mains, au sens propre. Sauvé ou perdu selon qu'il ferait ou non les bons gestes, parviendrait à soulager ou non la pression du liquide céphalique sur le cerveau. La tension de savoir que le moment qui allait venir était de ceux qu'il avait pendant toutes ces années d'études et de formation appelés de ses vœux. De ces moments qui donnent rétrospectivement sens à tout ce que vous avez cherché, justifient une vocation, placent enfin l'enjeu à une intensité maximale.
que c'était maintenant. L'infirmière debout avec moi dans la chambre avait fait partie de la dizaine de soignants groupés autour du nourrisson. Elle se rappelait la léthargie de l'enfant devenu comme insensible, à tel point prostré de douleur que plus rien ne semblait l'atteindre. Le sang-froid avec lequel le jeune médecin avait plongé l'interminable aiguille entre la troisième et la quatrième lombaire, vainquant la résistance de la colonne, relevant lentement le piston de la seringue pour la remplir d'un liquide jaune et rouge que tous avaient d'abord été soulagés de découvrir moins troublés qu'ils n'avaient craint. Puis, le froid qu'avait jeté, sitôt connu, les résultats de la ponction lombaire. Un taux d'infection si élevé que dans tout le service, les yeux s'étaient baissés, comme à l'énoncé d'un arrêt de mort certaine. Le coup de fil qu'avait passé le médecin au chef de service pour lui décrire le cas. La rapidité avec laquelle le responsable, malgré l'heure tardive, était apparu à l'étage. L'émotion dans sa voix. Dans chacun des gestes qu'il avait eus pour décrire à son équipe le protocole qu'allait désormais suivre les soins. Il avait d'abord fait installer le lit de l'enfant dans cette petite chambre où l'infirmière et moi nous trouvions à présent. Il avait attendu qu'on perfuse le bébé de toutes les substances devenues indispensables à son maintien en vie, qu'on suspende au-dessus de lui toutes les poches de sérum et d'antibiotiques et d'antalgiques requises, qu'on appareille ses frêles membres et son torse d'électrodes et de ventouses, qu'on neutralise les alarmes des appareils affolés. Attendu, en un mot, que le décor ait été rendu un peu moins insoutenable. Puis il avait fait appeler les parents. C'était elle, l'infirmière, qui était allée les chercher dans le couloir où ils étaient pendant tout ce temps restés à attendre. Elle leur avait demandé d'une voix douce de la suivre. Incroyablement jeune, je me rappelle, avait dit la femme. Incroyablement innocent et jeune. Ou était-ce l'amour qui les liait ? Était-ce la pensée de ce bébé minuscule que je venais de voir allongé dans la chambre et dont la jeunesse rejaillissait en quelque sorte sur eux, les faisait paraître plus neufs qu'ils n'étaient en réalité, comme font toujours les bébés, donnant invariablement à leurs parents l'air d'être le premier couple de parents de l'humanité, la première mère et le premier père, penchés sur le premier bébé, à jamais. L'infirmière les avait conduits à l'enfant, les avait regardés entrer dans la chambre plongée dans la pénombre, avait vu la façon dont ils s'efforçaient de rester calmes, de contenir leurs émotions. Alors le chef de service était entré, suivi de son cortège de blouses blanches, et le père et la mère s'étaient immédiatement raidis, avaient instinctivement senti, ou plutôt entendu, l'approche du drame, avait raconté l'infirmière. Pour ma part, c'était surtout l'irruption du bruit qui m'avait fait soudain violence, avait-elle dit. J'avais comme eux regardé la petite chambre se remplir en quelques secondes de toutes ces silhouettes habillées de blanc, et plus encore que par l'invasion visuelle, je m'étais senti agressé par l'invasion sonore. J'avais été frappé du vacarme que faisaient les pas de toutes ces chaussures et le froissement de toutes ces blouses, de la sauvagerie avec laquelle tout ce bruit déchirait le silence qui avait été jusque-là le nôtre dans la pièce étroite. Je me rappelle quand moi aussi l'angoisse était montée, mon cœur s'était mis à battre très fort, comme si la catastrophe en personne venait d'entrer dans la chambre. La catastrophe devenue blouse et bruit de chaussures et envahissement de l'espace jusqu'à l'étouffement. Plus personne n'avait bougé dans la pièce. Et Hellman et sa compagne avaient pris leur respiration et s'étaient préparés à encaisser le choc de l'annonce. S'étaient efforcés de se préparer au pire, comme font toujours en pareil cas les parents. Le chef de service avait parlé, exposé la situation en des termes aussi simples que précis. Je me rappelle l'impression qu'il m'avait faite, avait continué l'infirmière, à la fois de tact et de franchise.
Je m'étais dit que c'était un type bien. Il n'avait pas caché la gravité du cas. Avait expliqué que toute l'équipe s'était d'abord refusée à croire à ce diagnostic, se raccrochant aux statistiques, s'efforçant de rester optimiste, écartant a priori l'éventualité d'un scénario qui survenait dans moins d'1% des cas. Il avait dit qu'à présent, il n'y avait plus qu'à attendre. Que maintenant, tout était entre les mains de ce petit être allongé là, qui allait montrer son courage et sa force. Le père et la mère avaient un peu hoché la tête en regardant leur enfant cloué de douleur, tombé dans une léthargie dont nul ne pouvait plus dire à présent s'il se réveillerait un jour. S'était efforcé de garder une contenance. J'avais vu que la mère prenait aussitôt la mesure des choses, avait dit l'infirmière, qu'immédiatement, au-dedans d'elle, la terreur commençait de creuser ses galeries, d'emporter des étages, d'ouvrir des gouffres. J'avais vu qu'elle devait faire un effort surhumain pour ne pas s'effondrer devant nous, c'est-à-dire pour différer d'à peine quelques secondes cet effondrement, le réserver pour le moment où elle et lui seraient de nouveau seuls. Le funèbre cortège repartit, la porte refermée. J'avais immédiatement compris que le père, en revanche, continuait de se méprendre. Que peut-être moins informé ou simplement moins capable d'entendre ce genre de nouvelles, il demeurait sourd à ce qui arrivait, ne comprenait tout simplement pas ce qu'on lui disait, ne comprenait rien. Que par un mécanisme de défense instinctif, sans doute, ses oreilles s'étaient fermées. Il avait posé cette question qui, par son décalage, nous avait tous laissés sans voix. S'il y avait des risques que l'enfant garde de tout cela des séquelles. Il y avait eu un blanc, avait raconté l'infirmière, et je ne pense pas être la seule à m'être dit à ce moment que pour rien au monde je n'aurais voulu être à la place du chef de service, obligé comme lui d'enfoncer le clou, d'ajouter encore aux explications pourtant limpides qu'il venait de donner. Monsieur, vous n'avez pas bien compris la situation, je crois. Nous n'en sommes pas à nous inquiéter des séquelles. De nouveau, tout le monde s'était tu. Il y avait eu un silence pendant lequel nous avions guetté le visage du père en cherchant à savoir si cette fois le coup avait porté. Je comprends, avait fini par dire Hellman, sans nous convaincre tout à fait que c'était effectivement le cas. Je comprends. D'une voix si flottante que c'était le chef de service cette fois qui avait éprouvé le besoin de dissiper toute ambiguïté en formulant les choses de la façon la plus nue qui soit, avec toute la violence d'un tel énoncé qui avait résonné dans la chambre et nous était entré dans la chair à tous comme un coup de hache. La question, monsieur, est de savoir si votre enfant va vivre. La suite, Hellman me l'a raconté. Les jours et les nuits d'attente là, dans la pièce, à côté de l'enfant. Les heures interminables au début à guetter chaque mouvement de paupières ou de doigts, chaque rictus de douleur ou d'apaisement sur le visage. À surveiller chaque variation du rythme cardiaque et freiner au tableau d'affichage. Puis la façon dont même la souffrance ininterrompue de l'enfant avait fini par lui devenir familière. Même son rythme cardiaque du matin au soir supérieur à 200. La force monstrueuse de l'habitude qui avait fini par accoutumer ses nerfs et ses pensées même au fait que tous les indicateurs soient en permanence au rouge, que toutes les machines sans discontinuer clignotent, que jamais ne cessent à aucun moment de s'afficher les alertes de détresse respiratoire, de détresse cardiaque, de détresse tout court. Hellman n'est pas quelqu'un qui travestit les faits, ni qui les arrange pour essayer de se donner le beau rôle. Il m'a raconté le bonheur paradoxal qu'il avait éprouvé à se trouver là, au cœur de ce qui était en train d'arriver, allongé contre l'enfant dans une sorte de fusion avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Il a dit la chance qu'il pensait avoir eue. La chance, c'est le mot que je me rappelle l'avoir entendu utiliser
après l'avoir soigneusement choisi. En pesant bien toutes ses implications, en mesurant ce qu'il pouvait avoir d'apparemment déplacé. En se fichant bien que cela lui donne l'air de parler de tout cela comme s'il s'agissait d'un film trépidant auquel il lui avait été donné d'assister aux premières loges. La chance qu'il pensait avoir eue de pouvoir rester à l'hôpital. Au contraire de sa compagne qui, par une cruauté supplémentaire du sort, se trouvait avoir repris le travail quelques jours plus tôt seulement, après 7 mois de congé maternité. Et s'était par conséquent trouvé dans l'impossibilité de redemander déjà un arrêt. D'un commun accord, ils avaient décidé que ce serait lui qui resterait là, à 30 minutes de voiture de chez eux. Lui qui passerait les nuits près de l'enfant. Lui qui en serait le gardien, en somme. Veilleur de nuit comme de jour. Du matin au soir, immergé dans le huis clos de la chambre et de l'étage, dont il s'était mis à connaître chaque recoin, chaque visage, chaque équipe de jour et de nuit. Cependant qu'A, contrainte d'aller et venir chaque jour entre son travail et l'hôpital, assumerait le rôle infiniment plus inconfortable de visiteuse quotidienne, de passeuse entre le dedans et le dehors, de destinataire de tous les coups de fil affolés, de tous les conseils apitoyés, de tous les récits supposés rassurés, de tous les regards effondrés dans les rues du centre-ville. J'ai bouffé la douleur de mon gosse jusqu'à m'en rendre malade, m'a dit Hellman, l'unique fois où je l'ai vue. Je l'ai bouffé sans même me rendre compte qu'elle entrait en moi, qu'elle m'envahissait, pénétrait à jamais chaque fibre de mon corps et de mes pensées, que je ne serais plus jamais le même. Pendant toutes ces nuits et toutes ces journées d'attente, je ne me suis rendu compte de rien. Je n'ai pas mesuré une seconde ce que tout mon être était en train de traverser. Au contraire, je me suis émerveillé de ma propre force. Je n'en revenais pas d'aller si bien, de tenir si bien le coup. Hellman disait cela en souriant presque de lui-même à présent, comme si la joie étrange d'alors lui revenait. Je me sentais plus fort que je n'avais jamais été. Et j'accueillais de toute la tendresse que je pouvais à, qui chaque fois qu'elle entrait dans la pièce était sidérée de voir ce qu'à force d'habitude je ne voyais plus. Les appareils en détresse qui 24 heures sur 24 clignotaient. La température qui, malgré les injections continues de Doliprane et d'Advil, refusait de descendre au-dessous de 40. Notre fils, qui sur le lit demeurait inerte, sans un signe de réveil, jamais. Si la température n'est toujours pas retombée au bout de 3 jours, je ne vous cache pas que ce sera mauvais signe, avait d'emblée prévenu le chef de service. Le 3e soir était arrivé et la température était toujours de 40. Et l'infirmier, en l'annonçant, avait eu beau prendre un air dégagé. Hellman et A s'étaient recroquevillés, avaient senti un poids infini les écraser. Cette nuit-là, j'aimerais pouvoir dire que je n'ai pas fermé l'œil, m'a rapporté Hellman. J'aimerais raconter que j'ai veillé, que je suis resté jusqu'au matin à observer mon fils, à guetter le moindre signe d'amélioration, à prier pour que les antibiotiques agissent enfin, à m'efforcer à chaque seconde de lui envoyer tout ce que je pouvais d'amour et de confiance en sa, force de petit être accroché à la vie. J'aimerais raconter cela, mais ce serait faux. J'ai dormi cette nuit-là, comme une pierre. Je me suis écroulé de sommeil et j'ai dormi sans plus penser à rien. Sans plus rien savoir d'où j'étais. J'ai dormi comme je n'avais réussi à dormir aucune des nuits précédentes. Et au matin, la lumière était déjà forte dans la chambre lorsque je me suis réveillé. Je n'avais pas vu le jour se lever. Le soleil tapait insolemment par la petite fenêtre. La vie dans le service avait repris. Je pouvais entendre tinter dans le couloir les plateaux des petits déjeuners sur les tables roulantes, entendre les voix des infirmières qui s'échangeaient des recommandations, ouvraient les portes, lançaient en entrant dans chaque chambre un grand bonjour
à l'attention de l'être encore ensommeillé au fond de son lit. Une infirmière est entrée avec son thermomètre à infrarouge et a machinalement flashé le front de notre fils, comme elle venait de flasher celui de tous les enfants précédents. Et la température n'était plus que de 37,6. La nuit était passée. Il faisait jour dans la pièce et je regardais notre enfant qui à présent dormait simplement dans le matin comme dorment tous les enfants. Plus rien ne pouvait lui arriver maintenant. Il était sauvé. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite, a dit Hellman de la voix la plus calme qu'il a pu, en s'efforçant de masquer son émotion. Vous imaginez, sans peine, ce que ressentent deux parents qui, après avoir cru le perdre à jamais, voient leur enfant rouvrir les yeux. Vous devinez ce que cela fait, de voir votre fils qui se réveille, qui littéralement reprend vie et vous voit, et aussitôt sourit, de tous les traits de son visage terriblement amaigri, sourit à n'en plus finir. Je vous jure que c'est vrai, a insisté Hellman en luttant contre l'émotion qui revenait à présent le submerger. Il n'avait pas plutôt ouvert les yeux qu'il a souri, presque éclaté de rire de nous voir. Il a souri encore. Il avait la tête penchée sur le côté, il était si épuisé qu'il ne pouvait plus même la bouger. Simplement, elle était tournée vers nous, nous nous étions mis en face, exactement à sa hauteur. Et du fond de sa fatigue infinie, sitôt qu'il nous a vus, il a souri. Une première fois d'abord, et puis une autre. Sa minuscule tête toujours posée sur le côté. Il est resté à sourire sans plus nous lâcher du regard, à nous tenir, physiquement nous tenir. Il avait dans ses yeux je ne sais quelle sagesse venue de très loin. On aurait dit qu'il avait 1000 ans, qu'il savait tout. Que du fond de l'immobilité de tout son corps à bout de force, c'était lui qui, par son calme, trouvait la force de nous rassurer, de nous dire « Je suis là, ça y est, ne vous en faites plus. » Hellman m'a regardé avant de poursuivre. « Je pense que vous vous représentez ce que cela réveille en vous de force. » De détermination, a-t-il dit après un moment. Le bouleversement que vous en éprouvez, la recharge d'énergie, la sorte d'intensité absolue d'émotion que vous atteignez, la clarté dans laquelle tout votre être se trouve projeté, pulvérisé, désintégré. Hellman raconte que ce jour-là, il faisait beau, le ciel était d'un bleu intense au carreau de la petite fenêtre. L'enfant, au fond du lit, les avait regardés longtemps, sans seulement cligner des paupières, ses grands yeux plantés dans les leurs avec calme, avec force. Un regard si droit et clair qu'il s'était senti fendu en deux. Avait un peu tremblé même de tout ce que ce regard semblait voir d'eux, de leurs failles, de leurs impuissances. Tout ce qu'il leur donnait d'amour et de pardon. Un infini pardon accordé par un être infiniment plus sage et plus fort et meilleur que nous. C'est le sentiment que je me rappelle avoir eu, m'a raconté Hellman. Aucun regard ne m'a jamais pardonné comme ça dans ma vie. Et puis l'enfant avait fini par faire la chose la plus raisonnable qu'il y avait à faire à présent, en petit être qui, là encore, savait mieux que personne ce qui était le plus important, le meilleur pour lui et pour tout le monde. Il s'était rendormi. Pas rendormi banalement, simplement. Il avait plongé dans le sommeil comme une pierre, à pic, avec décision à nouveau, de tout son poids de gamin résolu à présent à boire son sou de sommeil, de tous les nœuds dénoués enfin de son corps, de tous ses membres et ses pensées enfin libérés de la douleur. Peu après, Hellman et A étaient descendus prendre un café au petit self de l'hôpital. Ils étaient sortis sur la terrasse en bois, gobelés en plastique brûlant dans les paumes. Hellman raconte que dehors soufflait un léger vent, il faisait froid et doré à la fois. Hellman raconte qu'A et lui, ce matin, se sentirent bien.
sentir très distinctement le soleil de septembre descendre doucement sur eux, les envelopper, leur réchauffer les joues et les mains. Il raconte que la rambarde métallique brillait, que les tables en aluminium scintillaient, et leur éclat était plus vif qu'il n'avait jamais été. Que même les visages des gens assis aux autres tables étaient plus clairs que les autres matins. Il raconte qu'A et lui, sur cette terrasse, ce matin-là, se sentirent pleins, chacun de leurs gestes nécessaires, comme lestés, graves, chaque pensée aiguisée, chaque vision baignée dans une transparence inconnue. Il raconte qu'il regardait autour de lui et qu'il lui semblait voir se découper les choses et les êtres dans une netteté neuve. Il sentait combien la place de chaque chose était juste, combien tout était ferme, combien il était formidable que les tables soient des tables et la rambarde une rambarde. Et même ces fichus gobelets en plastique, des gobelets en plastique, moches peut-être, et guère agréables entre les lèvres, mais formidablement aptes à faire ce qu'on leur demandait. Permettre qu'on porte un mauvais café sur la terrasse et qu'on le boive là, dans le soleil, sans illusion sur sa qualité de café, mais content, exactement comblé dans son attente, boire quelque chose de chaud dans la lumière et le vent léger du dehors. Il raconte qu'A et lui se serrèrent dans leur manteau, se serrèrent l'un contre l'autre en renversant à moitié leur gobelet de mauvais café. Il raconte que de toutes ses forces, il fit ce vœu, ne plus jamais quitter cette incandescence, faire que sa vie entière désormais se passe dans cette clarté. Lorsque j'ai rencontré Hellman, il était debout sur le bord de la route, en larmes, sa voiture garée en catastrophe sur la bretelle d'urgence, feu de détresse allumé. Je me suis arrêté, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. D'un geste de la main, il m'a fait signe que non, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que tout allait bien. J'ai vu qu'il souriait, que tout son visage était tordu de larmes et de rire à la fois. J'ai pensé qu'il était fou. Il est venu près de moi et m'a raconté que son enfant était sauvé. Il a simplement dit ça. « Mon fils est sauvé, monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait peur. » Il m'a dit que c'était la première fois depuis 2 semaines qu'il quittait l'hôpital. Depuis 2 semaines, j'étais là-haut, immobile, près de mon fils, dans l'obscurité, au 8e étage de ce bâtiment. Je dormais là-haut, je vivais là-haut. Chambre 817, il a ajouté en montrant la barre de l'hôpital accrochée aux collines. Il a dit qu'il n'avait rien vu venir, qu'il avait passé ce matin-là le relais à A et était monté en voiture sans se douter de rien. Et puis que dès les premières minutes, sa gorge s'était nouée, d'être à nouveau en train de conduire comme des milliers de fois auparavant, de voir à nouveau défiler les champs, de lire à nouveau les noms des villes sur les panneaux, de rentrer simplement à la maison. Je suis passé sous ce tunnel tout bête. Et en sortant, ça m'a pris à la gorge, cette excusée Hellman que je rencontrais pour la première fois et que je n'ai jamais revue. En me montrant le tunnel dont je venais moi-même de ressortir et que nous pouvions tous les deux voir, quelques centaines de mètres en arrière, ça m'est tout d'un coup sorti du corps. Ça s'est mis à jaillir au dehors de moi par mes yeux, par mon nez, par ma bouche. Il a fallu que je me gare, je ne voyais plus rien. Je me suis rangé sur le bas-côté et j'ai senti des spasmes me secouer. Un torrent dont pendant 2 semaines je n'avais pas même entendu le grondement. Mais ça va bien, monsieur, vous pouvez me croire. Ça n'est jamais allé aussi bien. Nous sommes remontés tous les deux en voiture après un moment, lui dans sa voiture, moi dans la mienne. Et nous sommes repartis. J'avais raconté tout cela à l'infirmière sans presque m'interrompre. Je me suis tue. Nous sommes restés un moment sans rien dire à regarder la chambre. Par la fenêtre, on pouvait voir le ciel bleu au dehors. J'ai remercié l'infirmière. J'ai dit que j'étais heureux d'avoir pu revoir ce lit. Le revoir ?
Elle m'a repris avec étonnement. Le voir, vous avez raison. C'était une façon de parler. C'est juste que j'y ai beaucoup pensé. Je me le suis souvent imaginé. J'ai vu qu'elle me regardait de travers. Et vous savez ce que sont devenus Hellman et sa compagne ? Je l'ignore, hélas. Je voudrais bien savoir où ils sont, ce qu'ils font aujourd'hui. Je voudrais bien savoir ce qu'il reste de toute cette lumière. Et vous savez si l'enfant va bien ? J'imagine que oui. Vous imaginez ? Je veux dire, je ne conçois pas qu'il aille mal après tout ça. Elle n'a pas insisté, nous nous sommes serrés la main. J'ai bien vu en repartant qu'elle me dévisageait, qu'elle fouillait dans sa mémoire, qu'elle pensait que peut-être j'étais Hellman. Je suis ressorti de l'hôpital, j'ai repris la route. Passé le tunnel, j'ai instinctivement guetté le bord du goudron pour voir si une voiture y était garée, comme ce jour déjà ancien de septembre. Je me suis demandé si j'allais rencontrer un autre homme arrêté là, en larmes, qui à son tour me raconterait son histoire. Mais sur la bande d'arrêt d'urgence, il n'y avait aucun véhicule stationné. Et j'ai continué sans ralentir. Au sol, sur le bitume, on pouvait voir les traces de freinage d'un camion. Par-delà le bas-côté, des champs s'étendaient à perte de vue, barrés seulement au loin par la ligne sombre des collines. Elle s'est assise contre le mur pour raconter. Un an a passé depuis cette nuit-là. Elle ramène les genoux entre ses bras, commence son récit d'une voix calme. Dans son histoire, c'est d'abord le matin. Il fait beau, la lumière d'août est vive, la mer est là, tout près. La voiture descend dans l'odeur des pins. J'entends les graviers qui crissent sous les pneus. J'aperçois l'eau qui scintille à travers les aiguilles des pins en contrebas. J'entrevois la maison, suspendue au-dessus de la mer. Et pour la première fois depuis des mois, je sens que je respire mieux. Qu'enfin commence à dégeler le bloc de tristesse qui, depuis l'accident, m'écrase, m'anéantit, me vide. J'ai réservé presque par hasard, au dernier moment, une annonce qui venait d'être mise en ligne et que, par chance, j'ai vue à temps. Maintenant, la propriétaire nous conduit jusqu'à la chambre et tout ce que j'avais vu sur les photos est vrai. Je regarde la vue, je regarde la mer devant moi qui s'étend à l'infini, le soleil qui rebondit sur l'eau. Je pense que toute la journée, je vais pouvoir être là, devant cette mer, dans cette lumière. Je devine la joie que je vais éprouver là. Je fais plus que la deviner. Je la sens déjà, qui me soulève,
qui m'emplit, qui revient. J'en suis bouleversé. Il y avait si longtemps qu'elle n'était plus là. Il me semblait si impossible qu'elle revienne jamais. Pendant toutes les journées qui suivent, je suis heureuse. Heureuse comme je ne pensais plus pouvoir l'être. Il n'y a qu'un lit double dans la chambre et au début, la propriétaire s'inquiète de nous voir arriver tous les quatre. Elle dit « C'est petit, vous savez, vous êtes sûr que ça ira ?» Nous montons un lit de camp, tirons jusque dans la chambre un des transats de la terrasse et tous les quatre, nous nous serrons là, dans la même pièce. Les jours et les nuits passent et je constate qu'à aucun moment je ne me sens à l'étroit. Au contraire, je voudrais que toujours la vie ressemble à ça. Que toujours les nuits et les journées se passent dans cet entassement des corps, cette promiscuité, la masse chaude de mes enfants contre moi, la masse de mon homme endormi là, tout proche, pas collé contre moi, mais proche. Le matin, j'ouvre les yeux et le plus souvent, le soleil est déjà haut. La chaleur entre dans la chambre par les baies restées ouvertes. Je regarde mes enfants et leur père qui continuent de dormir. Je regarde leur visage écrasé contre l'oreiller, leur bonheur jusque dans ce sommeil lourd, plein. Je sais notre chance. J'ai la claire conscience qu'il ne nous sera pas souvent donné de vivre une paix comme celle-là. Je m'assois sur la terrasse et chaque matin, la mère est là. C'est la même féerie. Elle n'a pas bougé, elle est restée pendant la nuit. Et je retrouve son bleu immense. Je peux recommencer de m'en éblouir les yeux, je peux rester jusqu'au soir si je veux dans la lumière de son étendue, de son calme. À m'émerveiller que chaque matin la magie recommence. Qu'à jamais tout ce bleu me soit offert avec ce soleil dessus. Pendant toutes ces journées, je lis. Inépuisablement devant la mer, je lis. Je dors. Je me serre contre mes enfants qui eux aussi dorment, contre mon homme avec lequel parfois je reste faire la sieste pendant que les enfants sur la plage en contrebas jouent. Je le sens qui a cessé lui aussi de compter, cessé de vouloir. Il ne cherche plus à remplir le temps, lui aussi simplement s'y allonge, s'y étend, s'y affale. Comme tous les quatre, nous nous affalons le soir dans nos lits. Ce sont des vacances où j'oublie. Des vacances où je nage, où après quelques heures à lire invariablement, je descends, plongé dans le bleu. Les carreaux de la terrasse ont chauffé au soleil pendant que j'étais assise et à présent ils me brûlent doucement la plante des pieds. En 30 secondes, je suis en bas et les rochers aussi sont chauds. Je sens leurs arêtes sous mes pieds, je soigne mes appuis pour m'approcher de l'eau sans glisser. Je vois par transparence les rochers bruns et verts, les dalles hérissées d'oursins, les bancs de sable clair, les apics sombres. Quand je remonte, j'ai les jambes et les bras qui tremblent un peu de fatigue. J'ai joué à me faire peur. Je me sens vivante. J'attrape le tuyau d'arrosage, resté au soleil et je me rince à l'eau brûlante. Je remonte et j'attrape sur l'étagère une tomate dans laquelle je mords. Le jus acide éclate dans ma bouche. Les enfants sont rassurés que je sois de nouveau là. Ils disent « On t'a vu, maman. Tu étais tout là-bas, très loin. On ne te voyait presque plus. » Je les embrasse. Je me rassois en finissant de manger ma tomate. Ma bouche est pleine de sel, le sel de la mer, le sel de ce bleu immense qui me comble depuis que je suis là. Je reprends mon livre. Je m'amuse que mes doigts mouillés fassent un peu gondoler les pages. Je lis mieux qu'avant la baignade, mon esprit s'est raffermi. Je traverse chaque phrase en la fendant net. Je lis vite, je lis clair. Ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Nulle part alentour, il n'y a d'autre habitation, pas de restaurant, pas de cabanon,
pas même de bateau au large, pas de lumière, pas de bruit. Le noir. Les rochers qui s'enfoncent dans l'eau noire. La mer devenue cette masse sombre, énorme, mouvante, que j'entends continuer de battre doucement en contrebas dans la nuit. La mer qui toute la journée a semblé tellement sûre, tellement accueillante, et qui maintenant est tellement noire. Et puis, le dernier soir arrive. Cela fait 10 jours déjà que je repousse le départ. Le père de mes garçons a dû s'en aller reprendre le travail. Le temps tire en longueur, je suis resté seul avec mes fils un soir de plus, puis un autre, puis encore un autre. Maintenant, c'est vraiment la fin. Il est 2 heures du matin, le départ est prévu à 6. Les garçons dorment. J'ai fini de faire les valises, tout est prêt. À l'aube, il n'y aura plus qu'à monter en voiture et à nous en aller. Je reviens m'asseoir une dernière fois sur la terrasse. Je regarde le noir de la mer et du ciel. Je me rappelle l'état dans lequel je suis. La gratitude que j'éprouve vis-à-vis de ce lieu. La calme certitude de ce que je lui dois. Là, je suis revenu à la vie. Là, j'ai retrouvé la joie. Là, non seulement j'ai été heureuse, mais j'ai su dès la première seconde que j'allais l'être. Tous mes sens immédiatement me l'ont dit. J'ai retrouvé non seulement ma joie, mais ma faculté d'en deviner le retour. J'ai vu que je pouvais toujours me fier à mes sens, que c'était toujours là, que je savais qu'il n'y avait qu'à m'écouter. Toute la soirée, le temps est resté couvert. Il fait un noir inhabituel, un noir plus total encore que d'habitude. Il n'y a pas une étoile, pas un rayon de lune. Le ciel est bouché, sans plus un souffle d'air. Tout là-bas au large, des éclairs zèbrent le ciel, allument sur la mer des lueurs oranges, presque rouges. Il n'y a plus un bruit, plus un souffle. Je pense que peut-être je ne reviendrai plus jamais là, que c'est la dernière fois, que même si je reviens, ce ne sera plus jamais pareil. Alors d'un coup, je veux descendre. Je veux dire au revoir à cette baie qui m'a rendu à la vie. Je vérifie que les garçons dorment, que leurs corps sont bien enfoncés dans le matelas, pèsent bien dessus de tout leur poids de corps d'enfant endormi. Et je descends, habillé comme je suis, sans chaussures, sans maillot de bain, sans serviette. J'arrive en bas. Je regarde l'eau silencieuse, étale, lisse, comme je ne l'ai jamais vue. J'enlève mes vêtements un à un, je les dépose sur le sable près de moi. Je suis nu. Je pense aux femmes que j'ai vues offrir des libations à l'océan, dans ce pays où j'ai vécu il y a des années. Je pense aux flots de lait caillé que j'ai regardé blanchir, le flux et le reflux des vagues, se dissoudre lentement en laissant de grandes traînées blanches dans les rouleaux, à chaque seconde plus étirées, plus torsadées. J'entre dans l'eau, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Je regarde l'immensité du ciel au-dessus de moi, sans la moindre étoile, sans le moindre rayon de lune. J'avance. Le liquide noir m'enveloppe. Je nage sans plus rien voir. Je suis seul au milieu de la mer immense et sombre. Je ne vois plus mes mains, plus mon corps. Il y a 3 mois, j'ai failli mourir de perdre tout mon sang. J'ai senti la vie qui s'en allait de moi, qui m'abandonnait, s'enfuyait de moi, laisser mon corps à sec. Et voici que je renais. Voici que l'eau noire m'inonde à nouveau. Voici que de toutes parts les flots me reprennent, que je refais partie du monde, que je baigne de nouveau dans le sang que j'ai failli perdre, le sang de la vie que je devais donner et qui cette nuit-là a failli me tuer. Alors une étincelle surgit au bout de mes doigts. Une étincelle, puis une autre encore.
Mon cœur bat très fort. Je suis heureuse. Je tremble. J'ai peur d'avoir mal vu, mais non, ça recommence. Maintenant, ce sont des gerbes de paillettes qui, à chaque poussée dans l'eau, me filent entre les doigts, habillent mes jambes de lumière. Je voudrais crier tant je suis émue, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier. Le sang me bat aux tempes et dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seule. La mer et moi seuls savons. Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse. Je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens sorcière. Je me sens chamane unie à la mer toute puissante par une nuit sans lune. Bonjour Sylvain Prudhomme. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez. C'est la deuxième édition du festival Effraction. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. On va parler des orages, votre dernier ouvrage qui est paru début janvier. Si vous permettez, je vais quand même commencer par dire quelques mots sur vous. Vous avez passé votre enfance principalement à l'étranger, beaucoup en Afrique, où vous suiviez vos parents, le Cameroun, Burundi, Niger. Vous avez passé votre baccalauréat à l'île Maurice et puis ensuite vous êtes venu étudier les lettres à Paris. Vous avez travaillé dans différents secteurs liés à la littérature, notamment vous avez été, je crois, le secrétaire personnel de Valère Novarina. C'est vrai, ouais. C'est juste. Vous avez, entre autres, également été traducteur. Vous avez exercé, vous exercez encore comme journaliste, comme reporter, très exactement. Vous avez dirigé une alliance française au Sénégal pendant 2 ans. Et ce sont des expériences qui se retrouvent parfois dans vos ouvrages de fiction que vous remettez en scène à travers vos livres. Vous avez publié un premier ouvrage, un recueil de contes, je crois, en 2003. Ça fait presque 20 ans que vous publiez. Les orages, si j'ai bien compté, c'est votre 8e ouvrage de fiction. Juste avant, il y avait eu Par les routes, prix Fémina, entre autres, qui a rencontré un très large public. Et j'ai envie de commencer cette rencontre peut-être en nous ancrant dans le cadre de ce festival qui nous réunit aujourd'hui, Effraction, puisque ce festival a pour mission, disons, d'explorer la porosité ou la frontière qui sépare la réalité des fictions, notamment des fictions du temps présent. Et peut-être pour commencer, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous arrivez à identifier ce qu'il reste du journaliste ou du reporter que vous avez été ou que vous êtes encore parfois quand vous vous mettez à votre table de travail? On écrit toujours à partir du réel, c'est sûr, mais peut-être vraiment... est-ce que vous arrivez à voir les traces de cette casquette-là dans vos textes? Alors, elles sont innombrables, je pense, parce que j'ai jamais été journaliste complètement, enfin, ou reporter. Je faisais des reportages dans des journaux, par exemple dans Le Tigre, notamment. Où on publiait des reportages en feuilleton comme ça, mais ça accompagnait l'écriture des romans, c'était toujours à côté. Et c'est vrai que donc j'ai jamais été, je veux dire, plus journaliste que... Enfin, ça n'a jamais été mon métier complètement, quoi. Je peux pas revendiquer ça, voilà. Je veux juste... Mais simplement, c'est certain que...
Oui, j'ai toujours adoré ça, faire du reportage, aller donc écrire de la non-fiction, comme on dit. Mes écrits de fiction en ont toujours été nourris, parfois d'une façon qui était très visible ou très directe. C'est-à-dire que je racontais des histoires qu'on m'avait racontées parfois. Enfin, c'était ça devenait des fictions. Ces personnages devenaient des personnages de romans. Bien sûr qu'après, le passage à la fiction me permettait de retrouver une marge de liberté, et aussi quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qui est une forme, en fait. La fiction, ce qu'elle permet aussi, c'est le fait qu'on construit un récit qui a sa vitesse propre, son élan propre, et aussi son début et sa fin propre. Et donc, c'est ça le passage une des opérations qui font le passage du réel au livre, en fait. C'est que le réel, c'est toujours des fils, comme les fils d'une pelote qu'on peut tirer. Chaque fois, je me retrouvais dans cette situation-là, d'ailleurs, à tirer presque trop de fils. Le réel, il est inépuisable, il est infini dans ses... Dans son lacis de dans sa complexité. Ça, je pense que c'est ça qu'il nous offre de très précieux après dans la fiction, c'est sa complexité, justement. C'est pour ça que moi, je pense que j'ai besoin de sans cesse amener la vie dans même quand j'imagine, parce qu'elle est toujours elle a cette nuance, ces contradictions permanentes, ces ambivalences, ces ambiguïtés qui sont ce qui me passionne. Donc j'ai envie de les retrouver dans, même quand j'écris de la fiction, mais elle est c'est tellement étendu, il y a un geste qui est malgré tout le geste de la construction, enfin du passage à l'art, quoi, en quelque sorte. Et voilà, je crois que à chaque fois, il y a ce... Voilà, moi, je décide que c'est cette histoire-là que je raconte, qu'elle commence là, qu'elle se termine là, très arbitrairement par rapport peut-être à la vie vraiment vécue par... mais je ne sais pas, même un épisode de ma vie ou de la vie de quelqu'un, je ne sais pas. Je coupe là-dedans. Et donc je décide que l'acmé, le moment, le tournant, la bascule qui va m'intéresser, le moment décisif, c'est celui-ci. Et à partir de là, je... Donc voilà, tout d'un coup, ça a ses lois propres, ça a son économie propre. Hein. Mais voilà, moi, constamment, je pense au... Constamment, j'emprunte au réel. Là, dans Par les routes, j'ai énormément rencontré c'est un livre où il y a un personnage d'autostoppeur qui rencontre beaucoup d'automobilistes. J'ai énormément fait stop, j'ai énormément rencontré d'automobilistes et presque chaque personnage d'automobiliste qu'on rencontre, il est inspiré d'un automobiliste que j'ai rencontré, voilà. Et parce que je trouve qu'il y a une vérité même dans la façon dont les gens nous apparaissent. Du coup, quand on repense à eux, c'est pas le même mouvement de pensée. Bon, moi, je crois beaucoup à ce que dit. Ce que dit Proust, enfin, de la mémoire involontaire, de sa justesse, du fait qu'elle trie, qu'elle opère, qu'elle choisit pour nous. Et donc, voilà, moi, je pense au réel et hop, j'essaie de laisser revenir ce qui est le plus net pour moi. Alors, vous avez le pouvoir de faire ces coupes dans le réel pour les transformer en fiction, mais est-ce que vous arrivez à savoir quelles sont les informations qui vous saisissent, justement, quand vous êtes acteur et spectateur de cette réalité? Quelles sont les informations que, soudain, vous avez envie de capter pour la fiction, de transformer plus tard en matière à fiction? Est-ce que c'est un procédé conscient? Est-ce que parfois, vous vous dites, tiens, est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que c'est plutôt des émotions? Est-ce que c'est plutôt des dialogues, des bribes de dialogues, des scènes vues, entendues? C'est exactement ce genre de choses. Et parfois, on comprend après coup, en fait, seulement ce qui nous lie à cette histoire-là ou ce qui s'est joué d'important dans ce moment-là. C'est pas absolument clair au moment où on commence. Sinon, on n'aurait presque pas besoin de d'écrire. Enfin, je pense que, chez beaucoup de gens, chez moi, en tout cas, l'écriture, elle est vraiment liée au besoin de comprendre, au besoin de reparcourir les plis d'un moment. Oui, je sais pas. Par exemple, dans un livre qui s'appelle Légende, un roman que j'avais écrit qui s'appelle Légende, je raconte l'histoire de deux frères qui meurent tous les deux très jeunes du sida. Le même jour, alors qu'ils sont très loin l'un de l'autre. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi cette... J'ai tout de suite senti que cette histoire me bouleversait, mais j'ai mis du temps à comprendre en quoi qu'est-ce qui, dans leur trajectoire,
se relier à ma vie, à moi, ou à des questions que je me posais. Donc, ce n'est pas toujours clair. Je vois que j'aime, en tout cas, parmi les choses qui sont un peu conscientes, que je commence à voir, dont je vois qu'elles sont récurrentes, il y a le fait... J'aime quand même quand il y a de l'adversité. Donc, c'est vrai que je... j'aime pas raconter je sais pas comment dire, le bonheur, comme ça, un état de bonheur. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut le raconter, mais s'il est d'abord perturbé, enfin, à travers la perturbation très violente de cet état, et on peut peut-être faire sentir quelque chose du retour de ce bonheur après, mais je crois que j'ai besoin un peu de... Moi, j'aime le drame, enfin, je sais pas comment dire, le drame au sens, je dis ça un peu de façon volontairement... un peu ironique, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans les films, quand on voit marqué, c'est le nom, c'est la désignation, on dit drame ou comédie ou tout ça. Moi, je vois que j'ai envie d'aller voir des drames. J'ai envie que ça me des fois, des gens disent oh non, c'est triste. Moi, je m'en fous, je m'en fiche que ce soit, j'ai pas du tout, je me dis pas du tout ça va être triste. Je me dis ça va parler de la vie, et au contraire. Comédie, je me dis, je ris dans la vie, j'ai envie que l'art, la littérature, le cinéma et tout, ils assument ces moments où on frôle de la gravité, où j'ai besoin de cet enjeu, quoi. Donc ça, toujours les choses que je prélève et qui me marquent, elles ont à voir quand même comme ça, avec un peu d'adversité qui vient frapper et auquel on fait face. Et souvent, ça va aussi avec des... Je suis touché par la façon dont certaines personnes y font face, la façon dont ils se tiennent en face de ça. C'est vrai que souvent, il y a ça que j'ai envie de raconter. Ouais. Alors, c'est étonnant, vous me tendez une perche assez idéale pour vraiment rentrer évidemment dans les orages qu'on va présenter pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc, c'est un recueil d'histoires. Et alors, je vais être obligée de vous poser la question puisque c'est difficile de ne pas en parler. Ce n'est pas un recueil de nouvelles, ce sont des histoires, 13 histoires, presque comme un album de musique. C'est à peu près le nombre de chansons qu'on trouve sur un album. C'est presque des balades et vous parlez de drame et pourtant je trouve que vous ne tombez jamais dans le spectaculaire et vous êtes dans une certaine mesure, dans un drame mesuré, disons, avec un bonheur qu'on peut considérer à l'aune de ce qu'on a failli perdre. Peut-être que ce serait un des fils rouges de ces histoires, mais d'abord peut-être, quelle différence faites-vous entre des nouvelles et des histoires ? Alors, c'est vrai que j'ai appelé ça des histoires parce que j'aime la simplicité de ce mot, l'évidence de ce mot. C'est ce qu'on dit toujours, qu'on raconte des histoires. Depuis toujours, depuis l'aube de l'humanité, il y a des gens qui racontent des histoires. J'aime ce mot dans sa simplicité. Et nouvelle, il y a quelque chose... Moi, en tout cas, nous, en France, enfin, dans notre imaginaire littéraire, il y a quelque chose, la nouvelle, c'est toujours... je sais pas, il y a quelque chose d'un peu avec la chute comme ça, il y a quelque chose de la maestria, quelque chose de la démonstration de maîtrise, comme de l'exercice un peu. On s'exerce à faire des nouvelles, il y a des concours de nouvelles, je sais pas quoi. C'est vrai que moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans l'écriture, pas du tout ce qui m'intéresse dans la littérature en général. Donc ça me ferait plutôt fuir ce côté-là. Enfin, et même par exemple, l'art de la chute, c'est pas quelque chose qui me... parce qu'en fait, vraiment, ça va avec ce que vous disiez tout à l'heure de on prend des choses comme ça dans le réel sans savoir bien encore pourquoi elles nous touchent. Moi, je suis pas du tout dans la maîtrise. Bien sûr que j'essaie de je veux dire, j'écris, je m'applique, mais je cherche plutôt à savoir en écrivant. Donc je cherche le non savoir, la non maîtrise. Enfin, et j'ai envie de cette exploration là. Donc ça me voilà. Moi, je voulais bien marquer ma Oui, voilà, que c'était pas du tout la même chose en fait que je me proposais. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout parce que je trouve sinon dans la maîtrise, ce que j'aime pas non plus, c'est cette distance, le côté comme ça, on déroule l'art comme si on brodait comme ça. Et là maintenant, paf, j'envoie le point. Non, moi j'essaie d'être dans surtout là ces histoires-là, elles sont dans. On va en parler, mais c'est chaque fois ça essaie de s'immerger dans des instants, de d'être vraiment quelque chose de dans la dimension sensible de la vie. Et donc plutôt au contact, dans une adhérence presque au,
au monde, aux choses, à ce qui est vécu, y compris avec, avec toute son... toute la palette de nuances, de complexité. Là, tout à l'heure, là, dans la nouvelle que je lisais, là, Souvenir de la lumière, le fait qu'on puisse être profondément heureux dans un moment où pourtant on est au cœur d'une tempête, où il y a peut-être... on est tout près de perdre quelqu'un qui nous est très cher, et pourtant, il y a des moments où on peut sentir qu'on est à l'exact endroit où on veut être. Et donc, c'est paradoxal. Alors même qu'on est très triste, ça ne veut pas dire qu'on est insensible ou qu'on est un monstre. Non, il y a de la... Il y a un accord avec ce qu'on est en train de vivre qui donne de la joie aussi. Ça m'intéresse toujours, cette complexité-là. Vous avez raison, merci de dire que c'est pas des drames. Effectivement, le mot drame, il fait fuir et il fait très peur. Enfin, quand j'ai dit j'aime le drame, c'est je le disais un peu parce que je pensais au cinéma, à ces catégories-là. Non, j'aime pas du tout le pathos, j'aime pas du tout qu'on en fasse des... Donc, justement, tout le... Je disais drame au sens où on va dans des, on essaie d'aller dans le grave, dans le dur, quoi. Je sais pas comment dire, mais pas pour si vautrer, quoi. Je parlais de la façon dont on se tient en face de l'adversité. Mais je trouve que c'est pareil aussi avec l'écriture. Comment est-ce qu'on se tient par rapport et j'imagine c'est pareil au cinéma. Comment est-ce qu'on raconte quelque chose qui est un bouleversement. Comment est-ce qu'on tient aussi l'écriture pour que ce soit pas du l'épanchement, le pathos, enfin bien sûr, comment est-ce qu'on tient, c'est ça la question. Et je pense que de toute façon, sinon on échoue à transmettre une quelconque émotion, parce qu'on je j'arrive, mais en tout cas c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de tenir justement. Je suis contente que vous parliez de la joie, parce que quand on pense aux orages, on pense à la tempête, on pense à la tourmente, on pense à la foudre, donc on pense aussi au drame quelque part. Et finalement, quand on lit votre ouvrage, c'est beaucoup de joie qu'on ressent, une joie presque à double détente qu'on comprend parfois après la lecture, et une joie presque au sens, ça m'a fait penser à la définition de la joie que donnait le philosophe Clément Rosset, qui disait la joie évidente, ça compte pas, la joie vraiment qui vient de moments de pur bonheur, la joie qui est intéressante, c'est la joie qu'on arrive à maintenir dans l'adversité, dans les épreuves, et c'est ce qu'on a entendu dans la lecture que vous avez donnée, dont vous venez de mentionner, Souvenir de la lumière, et c'est aussi celle qui clôt l'ouvrage La nuit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à l'épuiser dans cette ressource intérieure quand... dans des moments où parfois tout nous quitte ou tout menace de nous quitter. Et je crois que s'il y avait un fil rouge à trouver, en tout cas dans votre recueil, c'était ça. Je pense que c'est pas anodin que ça commence par un titre qui s'appelle Souvenir de la lumière et que ça finit par la nuit. D'ailleurs, la lumière est omniprésente comme paysage. Et j'ai pensé du coup à la phrase de Leonard Cohen, qui est un chanteur, un musicien que vous aimez beaucoup, je crois. There is a crack, donc il y a une brèche. En tout, il y a une brèche, et c'est comme ça qu'entre la lumière. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez prêter à vos nouvelles? Alors, moi, j'ai cette non, il n'y a pas de problème. Non, mais on est bien d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais cette citation de Leonard Cohen, oui, elle m'a toujours. Enfin, ce fragment de chanson, oui, je trouve qu'elle dit magnifiquement, en très peu de mots. Il le dit magnifiquement. Moi, c'est vraiment c'est exactement ça, ce que j'ai cherché dans toutes ces histoires. Au début, j'ai cherché un titre même qui parlait de la lumière. Et en fait, je me suis dit, bon, elle est déjà beaucoup dans le... elle est déjà beaucoup dans le... Enfin, il y a beaucoup de réapparitions de la lumière dans le livre. Et je me suis dit, en fait, peut-être que c'est maladroit dès le titre de l'annoncer. Parce qu'après, même, il y a... En fait, j'étais face aussi à une question. Moi, je voyais bien que c'était chaque fois... C'est ça que j'avais envie de raconter. Effectivement, c'est exactement ce que vous disiez, là. Cette joie qui est retrouvée ou qui est maintenue ou malgré l'adversité, la joie dont parle Clément Rosset, je savais pas qu'il la définissait comme ça et tout, mais c'est très très beau. Donc j'avais vraiment ça, c'est ça que j'avais envie de raconter, et du coup ça revenait souvent dans les histoires. J'avais même un peu j'en ai même certaines que j'ai supprimées en me disant là il faut faire attention à que ces retours ne soient pas trop fréquents, ni que... Enfin voilà, j'ai essayé de varier les intensités.
Et donc j'ai décidé aussi de l'effacer du titre et d'appuyer plutôt sur la dimension d'adversité, les orages. Enfin, je me disais, voilà, il y a quelque chose comme ça qui passe, qui est... C'est un orage, ça a un début, une fin, ça n'est qu'un moment de la vie. Comme ces histoires, voilà, qui sont que des moments de ça, c'est des instantanés en quelque sorte. Mais je et voilà, par rapport à la lumière, j'ai essayé de faire que parfois elle soit aussi que finalement elle soit presque absente de certains de certaines histoires, que elle revienne qu'à la toute fin, ou que dans certaines l'orage frôle mais sans emporter complètement les personnages, voilà, je veux dire, sans les, je pense à une histoire qui s'appelle Le Tai-e, où on voit un vieux monsieur qui perd un peu la tête et qui veut faire du Tai-e comme il en a fait toute sa vie, et qui l'arrache aux mains d'un personnage plus jeune qui était venu l'aider, et puis qui, une fois qu'il l'a dans les mains, c'est plus ce qu'il doit en faire, et fait tournoyer, c'est la lame qui... Oh non, et on a très peur que se passe quelque chose. Et puis voilà, il n'y a pas toujours des catastrophes. Et donc ça va, tout finit bien. Mais c'est juste, voilà, parfois, le vent de la catastrophe, quoi, qui passe. Ouais. Oui, ouais. On les frôle. C'est des histoires que vous avez écrites sur un laps de temps assez court. Ouais. Qu'est-ce qui menait cette urgence pour vous ? Qu'est-ce qui gouvernait ce projet à ce moment-là ? Je pense que ça avait à voir avec une sorte d'intensité d'écriture dans laquelle j'avais l'impression d'être. Et dont je me disais que quand je serais sorti, ce serait pour aller vers autre chose. Donc je me disais, c'est là, c'est maintenant. Le désir de ce recueil-là était à son plus fort, en quelque sorte. On s'est dit avec mon éditeur Thomas Simonet de la collection L'Arbalète. Il m'a dit, c'était, je sais pas, le mois de mai, juin, il m'a dit, mais si tu as envie, vas-y, vas-y, fais-le, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'en fait, j'avais trois nouvelles qui étaient là. Trois nouvelles, j'ai dit nouvelles moi aussi. qui étaient là. Et il m'a dit, on va voir, on fait un point dans 4 mois. Et je pense aussi que ça correspondait à quand même une c'était l'écriture qui peut-être me semblait possible dans le moment qu'on vivait, qui était un moment assez toute cette, donc c'était écrit après le, je les ai écrites après le premier confinement, je sais pas, surtout pendant l'été, et c'était quand même des moments où tout était tellement perturbé, tellement impermanent. J'avais très peu de, je sais pas, c'était pas des instants, c'était pas des moments où je me sentais de me lancer dans un projet en visant comme ça la fin d'un texte que j'aurais écrit sur 2-3 ans. Je savais pas du tout ce qui était pertinent dans ce moment-là. Alors que ça, je me disais, voilà, là, ça je peux faire des sortes d'instantanés qui peut-être diront de façon complètement détournée quelque chose en fait de ce que je ressens à ce moment-là, en fait, peut-être, mais là c'est à mon insu absolu, c'est complètement inconscient, mais pourquoi je repense à tel moment, à telle scène, pourquoi j'ai envie de raconter ça, je ne sais pas, mais j'ai envie. Et je me disais, écoutons cette envie, et je voyais qu'à peine sorti de l'écriture d'une histoire, hop, j'avais envie d'en écrire une autre. Et je me suis dit, bon bah, essayons de tout faire d'un seul élan. Je crois beaucoup à ça, au fait que c'est bien quand on reste au plus près de du surgissement des choses, quoi. Je pense qu'il dit une vérité, en fait, ce surgissement, que si le désir ne disparaît pas, c'est que ça a pris à peu près une forme qui nous paraît juste, et donc en fait, voilà, le moment où ça s'épuise, c'est qu'on a perdu le contact avec notre propre désir. Je pense que c'est vraiment quelque chose de, oui, d'écoute de ce surgissement. Vous avez parlé de l'impermanence, et j'ai envie de rebondir sur ce terme, parce que Par les routes, c'était un livre qui parlait des choix de vie et aussi de la liberté, de quelle définition on donne à la liberté. Et je trouve que dans ces orages, vous faites un petit peu l'éloge de la permanence, des sentiments et de la constance qu'on peut observer dans nos choix, c'est-à-dire on voit souvent l'effet de la constance sur une vie, quelqu'un qui quitte son appartement après 20 ans, souvent on regarde des,
des vies à l'aune du temps et d'une certaine constance d'un comportement ou d'un sentiment ou de famille et de réussir à rester une famille dans l'adversité. Et je me disais finalement, est-ce que c'est pas une définition de la liberté aussi pour vous, cette constance, cette permanence, cette fidélité à soi-même malgré les épreuves, dans les épreuves. Est-ce que la vie bonne ne serait pas dans une fidélité à soi-même ? Alors j'avais jamais pensé à ça, au fait que c'était un livre de la permanence. Je m'étais jamais dit ça et ça me paraît assez vrai. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que il y a quelque chose comme ça de la. La vie est perturbée et finalement elle se réaffirme, donc avec ce qu'il a constitué. C'est vrai que c'est pas des textes, maintenant que vous le dites, je réalise, du changement de vie. C'est pas des textes de. Non, c'est vrai, c'est plutôt. Oui, pardon. Non, ouais. Alors peut-être que ça tenait à cette idée des orages. L'orage, il s'abat sur quelque chose, mais sur un champ, sur quelqu'un, sur une maison. Mais après, il s'en va. Et la vie reprend. Enfin, donc il y avait. Mais c'est vrai qu'il y a, quelque chose beaucoup plus de l'affirmation d'une permanence. La vie bonne, elle est du côté de. Vous avez dit de la fidélité à soi. Ça, j'en suis à peu près sûr. Ça, je suis d'accord. Je crois qu'on peut tous le dire que quand même, oui, être fidèle à soi, ça. Après, du côté de la permanence tout court, ça, je sais pas. Je sais pas. Mais de la fidélité. En tout cas. De l'endurance, peut-être. Ouais, de l'endurance. En tout cas, la fidélité à soi. Avec nos, avec tout ce qu'il y a de bascule en nous, tout ce qu'il y a de, parce que je crois pas non plus au fait d'endurer tout envers et contre tout. Ça c'est certain que non. Je pense qu'il y a des fois où il faut partir, il y a des fois où il faut savoir quitter, rompre. Enfin, je veux dire, la vraie chose c'est la fidélité à soi. C'est ce que vous disiez. C'est pas facile. Le problème c'est que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on veut, nous ? Il y a beaucoup de soi, parfois. Voilà, on peut être fidèle à tout, il y a beaucoup de soi. On est peuplé de parfois de grandes confusions. De voilà, d'une grande confusion. Mais donc, c'est vrai. Mais en fait, sans doute que ça tient aussi à ce moment-là, peut-être inconsciemment, c'est dans des moments où ces derniers mois, ça en donne peut-être envie, effectivement, de permanence, d'affirmer des, je sais pas. En tout cas, ce sont des personnages qui tiennent sur des durées plus ou moins. Alors, vous avez lu donc Souvenir de la lumière avec ce père qui passe 15 jours au chevet de son fils et qui tient face à la douleur. Je pense à Lille où il y a cette scène autour d'un couple qui n'arrive pas à se retrouver et pourtant ils tiennent et le lendemain la vague est passée et on sent que la tension se dénoue. Pardon, je veux pas déflorer toutes les histoires, mais voilà l'appartement qui témoigne de ces 20 ans où le personnage passe en revue tout le temps qu'il a passé dans un lieu de vie et de quoi peut témoigner ce lieu de vie. Donc il y a cette manière de s'accrocher et d'attendre un petit peu que le remous passe. Et d'ailleurs, des remous, il y en a beaucoup, puisqu'il y a un autre élément qui est omniprésent dans ce recueil, c'est l'eau. L'eau, la mer, les marées, beaucoup de ressacs. Et on a l'impression que finalement, cette eau permanente vient un petit peu... récuré, décapé, nettoyé, que cette grosse pluie des orages permet finalement un nouveau matin de se lever tant qu'on a tenu bon, mais de se le réveiller un peu plus neuf. C'est vrai, merci de voir tout ça. Moi, c'est en partie inconscient. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose du contact avec les éléments, avec l'éternité de tout ça, en fait. Il y a quelque chose de la mer, les marées, éternellement, elles vont, elles viennent. La mer, éternellement, elle sera là. Et donc, il y a quelque chose de la confrontation entre l'impermanence l'impermanence de tout ce qui est humain et l'éternité presque, quand même. Enfin, en tout cas, un temps infiniment plus long des vagues, du vent, de la mer. Et je pense que maintenant, je me dis que c'est encore plus que la permanence. Il y a quelque chose de la... Ce que j'aime raconter, je crois que c'est l'assentiment. Quelque chose de la...
de l'acceptation de ça, du fait que, oui, nous, on est du côté de ce qui passe, du côté de... Et je pense que je suis aussi pour la... Je crois à l'assentiment aussi. L'assentiment, c'est aussi de savoir sentir que là, il faut partir aussi parfois. Enfin, donc c'est pas. Je pense que c'est d'accepter ce qui est en train de s'imposer, ce qui est en train de devenir évident en fait. Et donc d'avoir le. C'est pas du tout la résignation. C'est vraiment quelque chose qui est du côté de la du courage, d'une force. Enfin, moi, je trouve c'est ça qui me touche en fait. Quand des personnages sont face à voilà de la diversité et disent. D'accord, ça, ainsi soit-il, je ne suis pas du tout, mais je ne suis pas particulièrement croyant ou quoi que ce soit, mais c'est très beau cette chose de dire ainsi soit-il, que cela soit, ça doit être, et avec, en acceptant cette nécessité-là, mais pas parce qu'elle nous est imposée, c'est parce qu'on sent que c'est le mouvement de notre vie, et ça va avec la fidélité à soi, complètement. Donc je pense qu'il y a, oui, il y a énormément de ces textes qui racontent une sorte de... d'assentiment de ça, soit de l'envie de rester, soit de l'envie en tout cas de dire oui en fait c'est là que je veux être en face de tout ce qui a une stabilité beaucoup plus grande que moi. Moi je désire là en ce moment affirmer ma permanence là à cet endroit et oui dans le mouvement, dans l'éternellement oui voilà bon voilà dans l'éternelle non, impermanence vous... affirmer des petits moments des petites cabanes de volonté quoi de choix c'est une forme de lâcher prise en fait que vous évoquiez de lâcher prise par rapport à l'adversité où finalement en laissant passer justement cette tempête on arrive à se retrouver plus vite qu'en luttant et certains des exemples que je viens de donner le montrent encore une fois ce couple dans l'île qui se dit bon bah peut-être laissons passer cette nuit et puis demain amènera autre chose. J'ai noté aussi un procédé que vous aviez déjà utilisé dans Parler Route, qui était dans Parler Route, vous racontiez une nouvelle de Kundera qui met en scène un couple qui joue de l'autostop. Et ici, il y a une nouvelle qui s'appelle Fellini, où vous racontez un film de Fellini. Et donc, vous. Le narrateur de cette nouvelle regarde 8,5, je crois. Et je me demandais, dans ce procédé de mise en abîme d'autres œuvres, qu'est-ce que ça vous... En quoi est-ce que vous vous servez des œuvres des autres ? En quoi est-ce qu'elles elles alimentent vos propres textes ? Et en quoi ce procédé vous permet, à votre tour, de dire quelque chose ? C'est vrai que j'aime en fait j'aime faire ça. Je crois que c'est parce que ces histoires qui nous sont racontées là dans un film ou le jeu de l'autostop de Kundera. En fait, ces histoires qui sont là, moi, là, surtout effectivement 8,5 de Fellini, ça existe. Ça fait partie du monde réel. C'est là à tout jamais. C'est là devant nous comme des. C'est plus vrai que mille choses de la vie. Ça a une force de. Pour moi, c'est. Il n'y a pas le. Je crois que vraiment les livres que j'aime, les films, enfin toutes les choses qui nous, toutes les œuvres qui nous marquent, l'art quand il nous bouleverse, il n'a pas moins de réalité. Enfin, il fait partie du monde, mais absolument. Et donc. Moi, je repense à ce qui arrive à Mastroianni dans 8,5, au même titre que je repense à ce qui arrive à un ami, à ce qui arrive, c'est des profondément ça nous peuple, c'est des amitiés qui nous sont, enfin et même les ceux qui les ont, ceux ou celles qui les ont écrites, ils nous sont, enfin je connais pas Fellini, je connais pas Kundera pas du tout, Fellini me marque plus, beaucoup plus que, enfin que Kundera, mais le, je veux dire le mais le je ça, il est là à côté de nous comme un, c'est un ami, enfin je sais pas comment dire, moi je me rends compte que les quand je lis je m'identifie absolument pas au personnage mais à la personne qui écrit, j'ai réalisé que c'était ça mon point d'identification, c'est pas du tout les, je me dis jamais, je suis jamais Madame Bovary, je suis Flaubert, je me dis ah il a fait ça comme ça, c'est ça me, et donc quand je vois Mastroianni dans 8,5,
je suis Mastroianni, je suis Fellini en train de d'avoir l'idée de faire vivre ça à Mastroianni, et ça me bouleverse complètement. Et les choix qu'il a fait, le génie qu'il a eu de faire ce film incroyable, merveilleux, m'habite après autant que le geste qu'aura fait un ami dans la vraie vie, la solution qu'il aura trouvée face dans tel moment de vie. Et donc, c'est là, c'est tout près, c'est infiniment... moi, je trouve que c'est une compagnie merveilleuse, mais même des peintres qui ont peint des choses au XVIe siècle, on les imagine en train de peindre, en train d'accrocher devant la fresque, et ils sont là, quoi. Je sais pas, ils existent bien plus même des fois que des gens qui existent pour de vrai, je sais pas, enfin voilà, ils sont là, quoi. Donc je dois vaincre des fois quand je me réfère à ces... Il y a toujours un petit peu de je me dis, bon, bah, ça exclut un peu, on parle de quelque chose, d'un objet... si on l'a pas vu, par exemple, moi pendant longtemps, j'avais pas vu 8,5, je l'ai vu très récemment, en fait. Donc forcément, il y a le risque d'être dans l'entre-soi entre ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont... Mais j'essaie de raconter, là je dis par exemple, je dis même pas que c'est 8,5, j'essaie de raconter le film, ça s'appelle Fellini, l'histoire. Je pense que tous ceux qui ont vu 8,5 reconnaissent 8,5, je cite 8,5 en exergue du livre, donc je me dis on va quand même comprendre que c'est 8,5, mais j'essaie de la raconter, l'histoire, sans la nommer, en la rendant comme on raconterait à table une histoire, quelque chose d'incroyable qu'a fait un ami, en fait, voilà. J'avais envie de glisser sur le cinéma pour dire un mot sur l'importance des images, et plusieurs fois vous faites référence à la photographie, et il y a à un moment donné cette phrase, j'espère que je vais la retrouver, voilà, dans la vague, je crois que c'est la première phrase de la nouvelle, donc peut-être vous pouvez nous dire un mot sur la vague, si vous voulez bien, la nouvelle. L'histoire sur la vague, l'histoire tout entière. Non, peut-être nous présenter, nous introduire à la vague. Et ensuite, je parlerai de cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Ah oui, d'accord. C'est l'histoire d'une jeune femme dont le père est en train de perdre la mémoire, enfin, et qui apprend qu'elle a confirmation que une partie de son cerveau est en train de s'atrophier, et elle découvre en même temps le nom de cette partie qui ça s'appelle l'hippocampe. Et elle est... Voilà, il va arriver quelque chose dans l'histoire, une sorte de surprise, de presque de miracle, un peu. Justement au moment où elle ne cesse de penser à cette hippocampe qui est dans la tête de son père et qui est en train de s'étioler, de se... Oui, pardon. Alors, on marche dans les rues de Venise avec elle, et il me semble donc que c'est la première phrase qui dit « Sur la photo, c'est presque impossible à voir. » Et cette phrase m'a frappée parce que je trouve qu'en fait, elle parle de votre écriture. Votre écriture arrive à montrer des choses qui sont invisibles à l'œil nu, à percevoir des détails extrêmement fins, soit parfois de paysages, soit de l'émotion, qui sont presque... dont il faut vraiment le secours du langage, en fait, pour les percevoir. Et puisque on parlait juste de cinéma, je me demandais, est-ce que quand vous rentrez dans ce genre de description, est-ce que c'est l'image, ou est-ce que c'est l'émotion qui vous guide, ou est-ce que c'est l'image qui crée de l'émotion, ou est-ce que c'est l'émotion qui crée une image? Tout ça s'entremêle un peu, mais je pense que c'est... Est-ce que c'est conscient d'abord? C'est l'image qui crée de l'émotion, je pense quand même. Là, dans ces cas-là, moi, dans ces cas-là, moi, je suis pas capable d'inventer. Enfin, c'est pas que j'invente pas. Là, par exemple, ça commence donc c'est quelqu'un qui m'est très proche. Toute cette histoire est vraie en réalité. Et c'est des photos. L'histoire décrit d'abord des photos de la fille en train de faire des selfies avec son père. Bon, ces selfies existent, enfin voilà, je les regardais, et bien sûr qu'il y avait de l'émotion. L'émotion venait de l'image, et moi, ce que j'essayais de raconter, ce qui me bouleversait dans ces images, ce que je trouvais très très beau, c'est qu'on voyait, il se passe plein de choses avec le fait même de prendre des photos. Parce que parfois, c'était des photos où on voyait l'envahissement de l'émotion chez la fille, d'une photo à l'autre. En fait, il y avait comme un... parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de photographier, alors que son père ne savait plus. Enfin, il pouvait pas. Mais savait pas tout ce qu'elle voyait, elle, de
de temps qui passe, de ce qu'elle était en train de fixer. Et donc elle, et donc j'essaie de raconter ça au début de cette histoire. Et c'est des choses très, effectivement, c'est infinitésimal ce qui déplace. En fait, c'est l'opération même par elle de prendre la photo qui l'émeut. Et du coup, nous, bien sûr, on le voit, on se projette. Enfin, et donc on est nous-mêmes émus. C'est toute une, c'est des petites choses par lesquelles passe l'émotion. Ça, on le sait tous. C'est des toutes petites tels gestes, tels. Et donc là, c'est vrai que j'essaie de décrire ces photos. Là, je les invente pas. Les photos, elles existent. Hein. Et puisque c'est, tant pis, je dévoile totalement la fin de cette histoire. Mais non, mais parce que c'est toujours, c'est très paradoxal de savoir. Enfin, c'est très. Il y a des choses, moi je sais qu'elles sont vraies et on pense qu'elles sont imaginaires. C'est ça qui est beau en même temps avec la fiction. Dès qu'on décide de quitter le pacte de vérité pure, tout peut être fictionné. Et donc il y a des choses qui sont complètement fictionnées et tout le monde est sûr qu'elles sont vraies. Enfin, moi ça m'a frappé pour plusieurs histoires. On dit, ah bon, mais cet appartement, l'appartement dans lequel vous viviez, vous l'avez plus? Et je dis, mais non, mais si, bien sûr que si, il a jamais été vendu. C'est juste on y vit. Enfin voilà, c'est toujours. C'est juste par l'imagination, je m'imagine en train de le quitter à jamais. Mais donc ça, c'est pas vrai. Et plein de gens ont cru que oui. Et à l'inverse, je vois que cette histoire. C'est pas croyable ce qui se passe, mais je veux dire que c'est vrai. C'est bête à dire, mais en fait, c'est à la fin de l'histoire, cette fille, elle pense très fort à son père. Elle apprend le jour même où elle apprend que c'est l'hippocampe qui est de son père qui est en train de s'étioler. Là, il y a une vague qui arrive et qui dépose à ses pieds un hippocampe. Ça nous est vraiment arrivé. Voilà, bon, c'est ma compagne. Mais c'était fou. On était à Venise et là, tout d'un coup, j'avais jamais vu un hippocampe de ma vie. Je savais même pas qu'il y avait des hippocampes à Venise. Ça m'aurait paru tout. Et il était là, elle m'a appelé, elle a dit regarde ce qu'il y a là et tout. Et donc voilà, bref. C'est spectaculaire. Et donc, mais je pense qu'on peut pas le rendre ça. On peut pas le rendre. Enfin, je vois bien qu'il y a un problème. C'est pas croyable. C'est pas croyable en fait. C'est pas croyable. Donc la fiction, dès lors qu'on, ouais, il faudrait dire 40 000 fois. Je vous jure, c'est vrai. Mais même ça marcherait pas parce que c'est un procédé. En littérature bien connue de l'effet de réel, le fait de la promesse que c'est vrai, ça a été utilisé plein de fois en fiction. Donc là j'étais face à un impossible en fait. Je suis obligé de le dire à côté du texte, qui est absurde, ça n'a pas de sens, c'est dans le texte qu'on doit. C'est vrai que c'est assez improbable quand on lit le texte et on se dit que c'est une construction très habile et un jeu de vocabulaire très habile, mais on se doute pas que c'est vrai et le réel est une matière absolument qui détrône vraiment l'imaginaire très souvent, hein, c'est pour un écrivain j'imagine. et il nous reste peu de temps, mais j'avais envie de peut-être consacrer ces dernières minutes à peut-être vraiment parler de la langue et de l'écriture et de la matière avec laquelle vous écrivez. Et on parle depuis tout à l'heure de cet anti-spectaculaire, de ces émotions extrêmement fines. Est-ce que vous arrivez à dire qu'est-ce qui dans le langage, et peut-être que justement le langage nous sert à ça, qu'est-ce qui dans le langage et dans l'écriture permet de toucher ces points de tension extrêmement fragiles, ces vertiges qui saisissent des personnages? Est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est un certain vocabulaire? Est-ce que à un moment donné, vous avez cette très belle phrase qui dit « c'est la petite musique de la vie qui passe ». Avec quoi est-ce qu'on compose cette musique ? Ça, je... Ça, la, 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 je... Non, vous je ne sais... nous donnerez pas tous vos secrets. Non, là, j'en ai pas. Non, je ne sais pas. C'est pas... Non, mais en tout cas, je dirais le fait... Moi, je dirais, en tout cas, une chose que j'ai, à laquelle je m'efforce, c'est de... En tout cas, de faire confiance aux faits, enfin aux choses qu'on, aux gestes les uns après les autres, aux phrases qui sont dites, sans les commenter, sans les, je sais pas comment, de juste de montrer, d'essayer de rendre, de recréer les choses et les, par exemple, je ponctue pas beaucoup les. Je mets pas beaucoup les dialogues, je mets pas tellement de points d'interrogation, je mets pas beaucoup de points d'exclamation, jamais de points d'exclamation. Enfin, j'essaie de laisser les énoncés dans leur part aussi de flottement, dans leur part d'indécidabilité en quelque sorte. Et voilà, je me dis, essayer de raconter les choses l'une après l'autre
en essayant d'être de poser le plus de d'être dans des choses très concrètes. Je pense que c'est vraiment dans des gestes. Moi, par exemple, quand je très souvent les personnages qui racontent c'est très important pour moi, autant que ce qu'ils racontent, les gestes qu'ils font en même temps qu'ils racontent, tout ce qui est à côté de ce qu'on dit. Et ça décide. Le langage corporel. Ouais, le langage corporel, ça décide infiniment de l'effet que nous fait ce qui nous est raconté, en fait. Et donc, j'essaie de toujours montrer les gens en train de parler, les moments où ils s'arrêtent, les moments où ils rient, la gêne qu'on a. Enfin, je sais pas, je me dis, bon, j'essaie de faire confiance à. De pas trop souligner, je me dis on va voir, comme on j'essaie qu'on soit devant le texte comme devant les gens dans la vie, avec on arrive tous à se faire une idée de ce qu'ils cachent, de ce qu'ils sont en train de vivre, des masques qu'ils mettent, et de ce qu'ils sont, de parfois de la douleur qu'ils ont sans en essayant de porter beau, enfin je sais pas, je me dis, on le voit dans la vie, donc il ne faut pas trop l'appuyer, il faut le laisser. Je sais pas. Après, c'est... Et tout ouais. Ça avec un vocabulaire, en tout cas, qui est extrêmement précis, extrêmement recherché, souvent avec une vraie sensibilité pour dire des états parfois flottants. Et à un moment donné, je crois que c'est dans l'île toujours, vous dites, ces mots résonnent dans la pièce, elle peut les entendre, qui volent comme des chauves-souris, qui font flap-flap dans le silence velu énorme. Est-ce que vous avez ce rapport-là aux mots quand vous les utilisez ? Et en fait, pardon, ça m'a fait penser, dans une masterclass, je crois, de France Culture, Valère Novarina parle des mots en disant « Pour moi, les mots sont des animaux semi-sauvages. » Est-ce que vous avez besoin de domestiquer, d'apprivoiser votre propre langage quand vous écrivez ? Comment est-ce que vous revenez sur la phrase ? Parce qu'il y a une très belle musique dans votre langue qu'on a entendue tout à l'heure. Comment est-ce que vous la composez ? Alors, l'écriture de Novarina, elle a quelque chose comme ça, effectivement, les mots sont des... Je sais qu'il adore aussi l'image des cailloux dans Rabelais, les mots, les paroles gelées qui arrivent. Enfin, effectivement, le mot dans sa matérialité, dans sa sonorité, il est dans, de toute façon, toute son écriture, tout son théâtre, c'est de faire sortir l'animal de l'homme, enfin arrêter de hommer, comme il dit, enfin d'être des hommes, d'être de tout le temps. Et donc j'adore ça, toutes les régions dans lesquelles ça l'emmène. Moi, je suis pas face à une tâche de domestication telle que je veux dire, ma matière verbale, elle est pas quand même comme celle de Novarina. C'est quand même pas, je peux pas du tout me mettre sur le même, mais je veux dire simplement par rapport à là où j'avais pas pensé à ça, mais le moment, la chauve-souris, les mots qui font flap flap là, c'est vrai que du coup là, je fais pas souvent ça, mais là il y a une métaphore du mot comme animal, c'est vrai, hein, je crois que c'est non, mais c'est je sais pas, c'était une image pour dire je sais pas si je dois les domestiquer ou quoi que ce soit, mais il y a des moments où oui, dans la vie, où je me dis cette phrase-là qui est dite là maintenant, je l'entends, qui résonne, et je me dis oui, elle va créer plein de choses, elle modifie. Là, c'est plus quelque chose de climatique presque, d'atmosphérique qui est changé par ces mots qui sont dits. Et oui, ça peut sonner très fort, des mots, et être suivi d'un grand silence. Et puis, on sait qu'on ne pourra plus dire les mêmes choses après ça. Parfois, c'est un soulagement. Ça libère aussi. Mais ça, oui, ça, profondément, ça m'intéresse. Ça me passionne, même tous les embranchements que peuvent prendre une conversation, en fait. Selon qu'on ose ou pas dire ça, selon la colère qu'on n'a pas retenue, ou l'énergie avec laquelle ça sort, toute cette... Moi, je dirais peut-être en tout cas quelque chose qui est d'une sorte d'énergie du langage, ouais, les moments où tout ce qui est... où le surmoi s'est fissuré et où les choses sortent. Et donc, après, c'est là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime les moments où les moments sont là. Les mots sont les moments où les mots sont là. Et tout d'un coup, ils sont là, ils sont énormes. Ils sont de... Je crois qu'il y a un autre moment, il y a un autre truc que j'avais écrit où ils étaient là comme un,
Oui, comme des choses en tout cas qu'on a tout d'un coup, qu'on a sorti de l'eau, des poissons énormes, qui sont là, ils étaient cachés sous l'eau, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait ça. Mais maintenant, c'est là, c'est gigantesque, ça nous. C'est étendu, immense, vous savez, comme les. Je ne sais pas pourquoi je pense à des poissons, c'est très bizarre, c'est, ça fait quand même grand chose à voir, mais en tout cas, Non, je pense à des étals quand il y a des poissons immenses qui sont là comme ça, et c'est des. C'est énorme, un thon, je sais pas, quand on voit un thon entier comme ça qui est là, et on se dit c'est pas possible, c'est sorti de l'eau et maintenant c'est là, c'est à vendre, on va manger ça, il y a quelque chose comme ça de là. Je trouve que parfois c'est que ça me fait cet effet là il faut composer avec, après on peut plus, on est obligé de c'est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À vous relire, vous avez ce sentiment parfois? Non, je dis pas à me relire. Là, je parlais dans la vie. Dans la vie, je me relis pas. Enfin, voilà, parfois, je. Non, mais parce que je pense au narrateur de Fellini qui gagne sa vie en écrivant des livres. Donc, on peut parfois un tout petit peu penser à vous. Et qui dit, après avoir vu ce film, qui raconte comment, quand il écrit, il ne sait absolument pas où il va. Et il se laisse guider par ce que le texte lui dicte. Et ensuite, il observe le résultat qui, parfois, le surprend. Ça vous arrive aussi? Parce que tout à l'heure, vous parliez d'une intuition et de travailler avec une impulsion et une intuition. Est-ce que quand vous suivez cette impulsion, parfois vous êtes surpris du résultat? Bah oui, non, quand même, bien sûr. Hein, bien sûr, là, par exemple, l'histoire qui s'appelle Lille, celle dont vous avez parlé, effectivement, elle est dure, elle est un peu violente. Enfin, il y a quelque chose d'un peu. Elle est âpre, quoi. Et donc, je me. Ouais, c'était là, tout d'un coup, je l'avais écrite. Je me dis. Et donc pour moi c'était une évidence qu'il fallait qu'elle soit dans le recueil. Enfin voilà, elle me paraissait c'est tout d'un coup c'était complètement autre chose dans l'ambiance, dans la couleur et je me disais bah ouais il y a quand même quelque chose de là, il y a des choses qui sortent de nous et je voilà, non, il faut pas. Là, clairement, c'était une évidence pour moi qu'il fallait la laisser, que j'y tenais. Je me disais, je pense qu'il y a plein de choses, j'espère, qui sont inexplorées, qui sortiront comme ça, et avec lesquelles je trouve qu'on doit faire, parce que c'est ça, c'est aussi ça, la fidélité à soi. D'accord, c'est ça, c'est dire voilà, ça, profondément, c'est ça qui est heureux aussi dans l'écriture, c'est ça qui la rend précieuse pour nous. Enfin, quand on, c'est d'être soi-même surpris, d'être emmené dans des, ouais voilà, quand on, je veux dire, on parlait de Novarina, il y a une aventure que je trouve extraordinaire, qui est celle de vraiment s'aventurer dans la langue, dans l'invention de la langue, je connais moi le côté cette forêt de la matérialité des mots, des choses presque impossibles à dire pour les acteurs, pour les faire sortir d'eux-mêmes et tout. Je trouve ça extraordinaire. J'écris pas du tout dans cette forme, de cette façon-là, mais en tout cas, ouais, si jamais ça peut me faire apparaître des choses de moi-même que j'avais pas vu, que j'avais pas, je veux que ça. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain Prudhomme. Les orages, donc 13 instants d'épiphanie, d'excitation parfois effrayante, comme dit un des personnages qui est en proie à une forme d'électricité. C'est paru aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète. C'était début janvier, je crois. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, de nous avoir donné à entendre vos textes. Merci à vous qui nous avez écoutés. Bonne suite de festival. Merci infiniment à vous. Merci. Merci. Au revoir.